Hello tout le monde! Aujourd'hui, je teste une nouvelle chose puisque j'ai décidé de vous enregistrer une petite voix off pour vous amener avec moi en randonnée au Cap Fréhel en Bretagne. C'est une randonnée que j'ai fait en octobre de l'année dernière, que j'ai adorée et surtout qui est super accessible. C'est principalement du plat et même quand il y a un petit peu de dénivelé, il y a des escaliers. D'ailleurs, c'est hyper bien aménagé tout le long. Vous allez le voir, mais il y a des escaliers, des petits pontons, des ponts, etc. Et j'ai trouvé ça super sympa. Moi, je me suis garée en bord de route parce que le parking du phare était payant et que je ne paie pas les parkings. Je vous mets le point GPS de là où j'étais garée dans la description. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai fait cette randonnée. C'est souvent quand je dois me garer loin que j'ai les meilleures surprises et j'en ai encore eu la preuve ce jour-là. J'ai mis environ 40 minutes entre l'endroit où j'étais garée et le phare, mais je me suis beaucoup arrêtée pour filmer, pour prendre des photos, et pour admirer. Il y a une vue de dingue tout du long, je vous conseille vraiment cette randonnée si vous allez au Cap Fréhel. Bien sûr, ne vous garez pas n'importe comment, on respecte la faune, on respecte la flore, on respecte les locaux. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mais si vous trouvez une place pour vous garer là, je vous conseille vraiment d'emprunter ce petit bout de GR34 et d'aller au phare à pied. Voilà, je vous laisse sur ces images. J'espère que c'est un format qui vous plaît et je vous dis à bientôt. Des bisous! Voyage dans Rafiki avec Morphée, Iris et puis Litchi à bord de leur Renault Master parcourt le monde dans la bonne humeur.